token temporel instable. Un technicien est demandé au centre de recherche. Beacon temporel instable. Beacon, c'est quoi? Balise. Après, ça t'aide pas beaucoup, hein. Bon, il faut qu'on aille voir. J'essaie d'ouvrir la porte ici, avec la phalange du capitaine machin, là. Enfin, du... Non, il te faut un spray aussi. C'est tout, à... ah. C'est tout génétique. Bon, alors j'ai spray. Ouais. Ok. Donc, ben voilà, ça s'ouvre. J'entre et je regarde le corps au sol. Donc lui, il est affalé contre la porte à moitié. Il semble plutôt être mort de froid. Et il y a qu'un... Il y a qu'une porte avec un hublot. C'est celle-là. Tu vas voir, Tarsk. Ouais, j'allais voir. C'est laquelle? Là. Moi, pendant ce temps, je fouille scan, si je trouve pas une carte pour ouvrir alors, les portes. Alors, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge. Et je fouille les poches pour voir si je trouve une carte. Non, mais tu fais un jet en Investigate. Bravo, je suis sûr que t'as pris. Hein. Fuck. Ouais, ok, c'est bon. Tu le trouves assez facilement que tu. Tu vois sur son avant-bras, il y a un truc qui a été voir taillé au couteau, tu dirais. C'est écrit la salope. Ça va pas nous aider à ouvrir les portes, ça. Bon, j'essaie d'ouvrir cette porte. Ouais, celle-là, elle s'ouvre sans problème. Il faut même pas de truc, c'est juste un bouton. Ah, une porte qui s'ouvre. Trop bien. C'est les petites choses qui font plaisir dans la vie. Bon, je scanne avec le détecteur de Molenbeek. Tu fais un jet en tech ou en notice? Bah, en tech ou notice. Je peux pas communiquer. Comme notice, c'est la même chose. Hop, notice. Mais quand même 3 dans ta face. Je sais pas comment c'est arrivé, mais. T'as une douzaine de mouvements. Ici. J'arme. Mouvement. Mouvement. Et ils disparaissent. Recule, recule. Là, moi j'ai armé mon arme et puis what the fuck? T'as 12 blips. Ouais, genre pendant 2 scans de blips, ils étaient là, ils ont disparu quoi. Bon, on avance. On peut pas laisser ça. Bah là, y'a pas de porte. Oh, y'a pas de porte. Je suis quand même pas passé. De je peux pas. Bah, je vois pas qu'il y a pas de porte. C'est quoi les autres trucs bleus là? C'est des portes. Ah oh putain, c'est toutes des portes. Ouais. Bon, on y va. Là, alors, celle-là. Je vais ouvrir celle-là. Bah, celle-là, il faut un spray. Ouais. Non, laisse tomber, hein. On va pas se sprayer toute la station, là. Y'a rien. Ici, celle-là. Celle-ci. Ouais, il faut un spray, là. Celle-là. Il faut un spray. C'est bien. C'est là. Faut tout un spray. Ah je peux pas faire juste un coup de spray comme ça. Dans la pièce. Alors tu peux faire un jet d'athlétique. Si tu me fais au moins un, t'arrives à en sprayer deux qui sont une à côté de l'autre. Je pars pour ça. Ok, j'ai l'idée, regarde. Active les boutons, vas-y. Et puis là, un jet d'athlétique. Ouais. Attends. Moi je sais faire ça. Vas-y alors, tiens, vas-y fais-le, essaie de faire très vite comme ça. Ah toi, je suis The Flash. Je suis un point de destin. On a craqué. Non mais ça en ouvre une, non? Ouais, ça en ouvre une, ouais. Ah putain, t'es pas assez rapide. T'as pris laquelle?
en premier? Les deux là, celle-là et celle-là. Docteur Mais t'as commencé par celle-là. C'est là, je suis droitier. D'accord. Ah, ok. Donc c'est une chambre... Mais Molenbeek, Molenbeek. Puis un peu du matériel personnel... Je retourne, je fouille tout là. Ouais, je suis furieux. Bah y'a quelques photos de famille... De femmes nues? De famille... Quel est pervers. Voilà. Masturbé. Regarde dans sa famille. Des habits de rechange, des livres, des romans. Civil. Et scientifique, ouais. Moi, j'essaie de me souvenir de la map qu'on a eue tout à l'heure, puis de repérer le chemin pour aller au centre. Bah, c'est peut-être ici. Ah putain, on a pas pris le bon couloir. Là, c'est que les chambres. Ah putain, c'était celui d'après, merde. Bah du coup, moi je reviens en arrière, puis je vais là, je regarde s'il y a un hublot. Ouais, il y a un hublot, ouais. Trop bien, je regarde dedans. Alors, je vais te faire un reveal de tout ça. Tu viens avec moi, Tarsk, ou bien tu te paluches sur les photos de famille? Ouais, je viens avec toi, ouais, je te couvre. Cover my back! Je te couvre. Ciao, vas-y. C'est là que t'as vu du mouvement? Ouais, je scanne. Non, y'a rien. Aucun mouvement. Ah, c'est bon. C'est propre. Y'a des portes à gauche, à droite, ou c'est juste un couloir? Non, c'est juste un couloir. J'essaie d'ouvrir. Avec le spray? Non. Non, avec le cutter. Chier, avec le spray. Ouais, ça s'ouvre. Putain, il reste combien de doses? Et bah, on a la moitié. Ta mère! Donc c'est juste un couloir et il y a juste une porte au fond, hein, de nouveau. Hop. Moi je regarde quand même autour, si je vois des dégâts, si je vois qu'il y a eu des fissures, des machins. Non, ça a l'air d'être net, propre, en ordre. Bon ben, avance. Petit à petit l'oiseau fait son. Mais je suis sur mes gardes, hein. Moi j'ai mon flingue en avant. Ouais, moi j'ai le flingue, le scanner et puis... Et toute la foi du monde. Non, je suis pas religieux, ça porte mal. Hein. T'as raison. Tu peux me faire nouveau un jet en notice si tu veux, Max, avec ton scanner. Un jet de notice, ok. Notice reading. Hop, un jet de notiste. Ah ouais. Oh, est... Alors, ça c'est... Là-bas. Monde, hein. Là-bas. Attends, là-bas. Waouh. Il y a 30 blips simultanés. Et bien... 30. Ouais, et où c'est qu'ils apparaissent pendant quelques secondes et puis qu'ils disparaissent. Ah merde. Donc vous regardez pendant... Vous voulez écrire sur la map, mais je peux. La pierre a le tenant. Ils sont tous morts, hein. Laisse tomber. Faut qu'on fasse redémarrer ce truc. On va finir comme ces autres. On va finir comme les autres. Donc là, vous voyez, par le hublot, vous voyez une grande salle avec une espèce de grande boule avec plein de tuyaux qui rentrent, qui sortent, qui éclairent, qui clignotent dans tous les sens. Ça vous dit rien du tout. Est-ce que c'est la même couleur que la déflagration, hein? Non, mais il y a aussi des tuyaux bleus et des trucs bleus. C'est pas d'énergie, c'est physique. C'est physique, c'est un truc matériel en métal, en plastique, électronique, technologique, quoi. Puis sur la, en haut, en bas, là, les deux petits carrés verts, c'est des consoles. Et puis le truc vert en dessus de vous là, c'est une vitre. C'est une vitre. Vous pouvez pas regarder dedans depuis où vous êtes, qui semble donner sur une autre salle. Bon, ben on entre. Qui vous demande nouveau un petit coup de spray. Il reste 4. Un petit coup de spray. Coup de spray, c'est si facile. Ok, bah la porte s'ouvre. Et
fait rentrer. La porte se referme. Bon, j'inspecte le premier cadavre là pour être sûr qu'il est mort. Est-ce que les portes se referment? Bah oui, après un moment. Pardon? Attends, j'essaie d'ouvrir la porte depuis l'intérieur, ça doit aller. Identification génétique, s'il vous plaît. Putain, faut qu'on les bloque ces portes. Ouais, mais là c'est foutu, hein. Pour le poste de commande, une, deux, trois portes. Bah, va falloir hacker les portes. Ouais. Du coup, moi je mets le cadavre en travers ici. Ok. Bah, ça bloque la porte. Ça ferme plus. Et là, vous voyez, par la vitre, vous voyez une grande salle d'ordinateur avec deux ordinateurs. Y'a plein de gens qui dansent. Non, ils dansent pas, ils sont couchés par terre. C'est ce que je trouve. Ce que je trouve vraiment bizarre, c'est qu'ils portent tous les amis, les mêmes envies, ils sont tous morts dans la même position. Moi je trouve que c'est vraiment étrange. Non, tu vois, tu vois là l'autre avec son arme ici là. Oui, à lui l'étrange. Ah ouais, lui c'est un militaire. Il est très là. Lui c'est un militaire. Bah lui, ouais. Peut-être pour lui, faudrait le... Ça serait... Moi j'aurais bien parlé, c'est dommage qu'il soit déjà mort. Je lui ai demandé comment qu'il fait pour pas mourir dans les mêmes positions que les autres. Ouais. Bon, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si on peut... On va quand même regarder le truc bidule, là, hein. Moi, je vais essayer d'inspecter le machin pour essayer de... Il y a peut-être un mode d'emploi, une console, un... Bah ouais, il y a deux consoles à voir. Moi, je vais voir cette console ici. Ah, bah, tu vas voir celle-là. Ouais, je vais voir l'autre. On va presser des boutons au hasard, chacun de notre côté. Parce que j'ai une bonne idée, ouais. Que risque-t-on? Que risque-t-on? Donc, assez vite... Vous voyez, chacun sur votre console, vous voyez un truc affiché qui clignote en rouge avec attention, attention, et ça dit balise temporelle instable. Voulez-vous sauvegarder, annuler, détruire? T'as le même message que moi? T'as quoi comme message? Moi j'ai pas dit... comme message. T'as dit warning, annuler, activer ou détruire? Ouais, sauf que c'est écrit en français. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On annule. Bah, on annule. Ok, vous cliquez sur annuler. Oui. C'est ainsi que termine la vie des deux héros. Il y a le truc rond là au centre arrête de clignoter et de faire des choses à voir. Mmh. Et puis vous entendez ça, c'est comme calmé dans cette pièce. Et puis ça fait du bien, un peu de calme. C'est apaisant. Et puis, je m'entends de vos pensées. Vous voyez, fais voir un jet de tech les deux. Ça va être pas très formeux. Hein. Je m'en vais faire le 4. Moi j'ai que fait le. Tu vois, j'ai que fait que les deux. Donc, vous voyez vite que vous avez le choix entre. Un autre beacon temporel qu'on fait activer qu'à un âge d'à peu près 3 ans et que vous pouvez aussi créer un autre beacon temporel. Je me sens d'humeur créative. Essayez de prendre une décision hâtive, on sait jamais. On a tout le temps, visiblement. On a annulé la catastrophe. Si on active le truc de 3 ans, ça risque de nous pousser il y a 3 ans en arrière. Pardon? Quand ils ont commencé à buter. Bah, je sais pas, peut-être qu'on aura des indices si on. Je sais pas si la mécanique elle permet de faire un refresh des données d'il y a 3 ans. On saura ce qui s'est passé. Tandis que si on crée,
Il n'y a pas un moyen de télécharger les données là qu'on nous a demandé sur cette console, hein, parce que ouais, c'est déjà, pour ça qu'on est... C'est vrai. Avant qu'on ait des idées créatives, et on ait des idées de Marines, mince. Obéir aux ordres. On cherche si on peut pas plugger le machin dedans, là, puis choper des données. Ouais, en théorie, vous pourriez essayer de faire ça là. Mais vu la salle d'ordinateur qui est à côté... Ça risque d'être plus marrant de faire ça là. Mais ouais, vous pouvez essayer d'aller sur la console. Bah si on peut le faire là, on le fait là. Hein. Ok. Bah ouais, tu ouais, me fais ouais. Un jeu en tech. Bah vas-y. Tiens, je te laisse faire tout ça. Allez, je t'assiste. Comme ça, c'est sûr de... qu'on le rate. Je fais 5. Ok, bah tu commences à copier les logs que tu trouves dans la machine et ces histoires de beacon temporel. Et bah ça copie, c'est à 10%, 20%, 30%, 10%, 20%, 30%, 10%, 20%, 30%, 10%, 20%, 30%, 10%, 20%. Attends, ça vient. Ça, ça en vient. Ça vient, oui, ça vient. Attends, mais moi, j'ai aussi un ordinateur comme ça. Tu dois le faire laisser tourner 15-20 fois comme ça. Après, c'est, ça reprend les trucs normalement. Faut juste en être un petit peu patient. Mais comme un bug, quoi. Bah ouais, les soldats, bah on est dans l'armée, hein, c'est normal, on n'est pas tout à fait normal dans nos têtes, hein, d'avoir tout ça comme voix professionnelle. Ensuite, tu peux faire un jet en notice, Max. Y'a quand on shoot. Je suis beaucoup en shoot. Oh là là. Bon, bah non. Bah non, bah c'est normal, hein. C'est ce qu'on appelle un cycle de chargement. Je note quand même que ça fonctionne pas très bien. Ouais. Abort. Par contre, tu vois aussi un truc bizarre, c'est que l'horloge d'ordinateur de bord, elle doit être pétée, parce qu'elle dit 22h15, 22h13... 22h18, 22h15, 22h13, 22h18. C'est pas du systeming ça, hein? C'est pas de la Rolex. Ouais. Oh, plus la qualité qu'il y avait avant, hein. C'est ces systèmes modernes, expérimentaux. Fallait même pas compter l'heure. À mon avis, il doit être pété. Il faut qu'on aille voir les ordinateurs centraux, à mon avis. Ouais. T'avais pas réparé l'horloge? Je cherche si je peux mettre à l'heure. GMT plus 1. Bah tu... Ah bah je regarde ma montre. Ma montre pour calibrer, hein. Bah ta montre elle fait 18h12, 18h13, 18h12, t'as vu, c'est le rayonnement. 18h13, j'ai réglé tout l'électronique. 18h13. Oh fuck. Je vérifie que mon smart gun fonctionne encore. Tu regardes dedans, il n'y a pas de mune dedans. Je regarde dans le mien. Non, le tien il est plein. Mais j'ai pas pris de munitions. Bah si, t'es assez sûr que t'avais pris des munitions, mais là il est pas chargé. C'est les munitions, c'est faut ouvrir le machin, mettre le rouleau de munitions dedans et le fermer. Mais bon, d'abord je prends à boire. Après, je prends encore à boire. Et quand je suis dans mon état normal, j'attends que le cerveau il se réveille. C'est quand t'as le thorax, t'as le chaleur. T'es bien chaud, on va. Non mais quoi? J'ai pas de mune dans le smart gun. Bah dans quoi? Dans l'arme secondaire? J'ai pris une arme secondaire. Non, non, t'as des munes, mais le rouleau de munitions n'a pas été mis dedans. T'étais sûr que tu l'avais fait, mais là, il est à côté. Bah, je le mets dedans. Mets dedans. Il est dedans. Voilà, et je tire même une balle dans le gars à côté de moi pour voir que mon flingue fonctionne. Parce que... Ah bah voilà. Ça, et je regarde le scanner de bip si ça n'a pas réveillé quelqu'un. Non.
Bien. Bah, voilà, je suis opérationnel. Il y a juste l'horloge qui est affectée. Hein. L'arme fonctionne encore. Par contre, tu vois que sur son arme, ça clignote. T'as le compteur de munitions sur le côté et puis ça clignote 0000000. Par contre, toi, t'es à blanc. Hop ! Je viens de le charger. Il est déchargé. Et il est vide. What ? D'ailleurs, tes souliers sont ouverts. T'as tiré sur quoi ? Ah putain, de souliers. Je refais mes lacets. Je rachète des lacets. Puis je recharge mon arme. Ok, prends un nouveau chargeur, tu le mets dedans. Ça met 100. Ah, nice. Je tire dans le... dans la vitre ici. Pour essayer de l'ouvrir. Un coup ou une rafale? Déjà un coup, pour voir comment ça passe, la balle. Ouais, elle passe en vitre, vole en éclats. T'as un bon atmos. Yes! On va pouvoir entrer, là? Oui. Bon, allez, on... On peut pas faire toute la journée. Trouve un terminal qui fonctionne. Voilà. Puis un vaisseau aussi. J'entre dans la pièce. Ok. Donc vous voyez, c'est deux gros ordinateurs et plusieurs petits terminals remplis de scientifiques. Et il y a un soldat de haut rang, sûrement major. Ouais, major. Je vais aller voir pour l'identifier. Ça me dit quelque chose. Non, ça te dit rien. C'est Major Brunswick. Probablement en suédois. Hein. Et vous voyez que il a un flingue et vous voyez que tous les gars dans la pièce ont une balle dans la tête ou dans le corps. Je garde son chargeur, son arme pour voir s'il a tiré des coups. Oh oui. Tu vois aussi pas mal de... Je regarde sa bite pour putain. Voir s'il a tiré un coup. Ok. Oui. Oh. Oui. Ah. Comment je peux voir ça? Bah, la braguette des fêtes qui la bite à l'air. Ah non, t'as dit tu regardes sa bite, donc tu enlèves son pantalon, tu regardes sa bite et elle est toute rouge. Ah. Elle est congelée, hein. Elle est en train de dégeler, là. Ok, moi je cherche un endroit où on peut plugger le device. Ouais, tu trouves, sans problème. Allez, espérons que ça on trouve un terminal qui est pas complètement pété. Pendant ce temps, essaye de hacker la porte ici. Ouais, allez, je suis très fort à ça. Des accès et tout. Ok, je te donne un plus de si tu utilises ton hacking device. T'en as un? Ouais, j'utilise mon hacking device. Attends, j'ai un stunt aussi. Ah, t'as le cutter, bah ça te fait un plus 4. Non? J'arrive pas à ouvrir mon perso. J'ai ouvert mon perso, je suis un hack cutter, ouais. Ouais. Bypassing ça. Firewall breaking into systems. Ok. Un plus 4 en hacking. Ouais. Par contre, ça te coûte un point de fate. Quoi de coûte d'utiliser ton. Ouais. Ok. Puis toi, tu me fais un jet de tech? Oui. Par contre. C'est tech, c'est ça, hacking, ou bien attends, c'est quoi? Stunt 1, hack cutter, cutter. Ah non, c'est cutter. J'ai fait 7. Ouais. C'est quoi le... C'est quoi pour... Ah non, c'est hack. Puis plus 4, c'est ça? Ouais. J'ai fait 7. Ok. J'ai fait un mauvais gem, j'ai quand même 6. Ok. Donc avec ton 7, tu plugs ça et tu trouves une pété données, plusieurs terras de données, de recherche, de données, d'analyse, de données que tu comprends pas forcément, mais c'est définitivement pour ça ce que t'es là, et tu commences à faire le transfert, et t'es à 1%, t'es à 2%, ça va dans... t'es à 2%, t'es à 1%. Faut atteindre, faut laisser le temps. Pendant ce temps, ton ami est en train de hacker la porte. Il lui faut un moment, il débranche pas mal de câbles, il arrache des trucs, il dit ça, il n'a pas besoin, ça, il faut pas. Ça, c'est de la merde. Ça, on va recloquer. Ça, bah, ça, on s'en fout aussi.
Voilà, ça on va déverrouiller. Bon. À la fin, il s'y prend presque à la mécanique plutôt presque qu'à l'électronique, puis il arrive à ouvrir la porte. Ouais, est-ce qu'elle reste ouverte? Ouais. Nice. Bah écoute, pendant que ça charge, on peut aller voir si on peut débloquer aussi la porte pour aller au poste de pilotage. Et puis on essaie de refouter en branle aussi le vaisseau, parce que ben pour rentrer chez nous, il va falloir utiliser ce vaisseau, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, tout à fait. Je regarde par la fenêtre pour voir ce que si je vois. Alors là, tu vois que il y a pas de vaisseau de ce côté-là. T'es sur quoi les boire l'apéro? Il y a pas de débris, il y a pas d'étoiles. What?